Imaginez ou payer une force étrangère pour rentrer la caillou, soi-disant qu'elle vient aider ou combattre l'insécurité. Et qui est-ce qui a protégé ou encore? C'est la police haïtienne. Pour qui ça même la police haïtienne ça, pas capable de camper, mettre graines dans bunda yo, pour faire face carré avec Negaxamio. Pour qui ça jodi à la, mesdames et messieurs, force Kenya rentre dans le pays ya, et puis nous, jusqu'à présent, pour qu'on ait qui résultat. Nous pouvons voir comme si qui opération nèg yo mené, nous pouvons voir qui ça nèg yo même gagné dans jacout yo. Nèg yo vini yo dou que pas gain équipement, pas gain matériel, pas gain disque, pas gain date, chat yo ba yo, c'est des chats qui trop et problème. Ça veut dire nous débarquer en force ville dans un pays pour combien millions nèg ça chaque mois m'tandi a toucher combien $1000 américain ou bien $1000 et quelques américains, alors que les polices nationales n'ont pas touché tout comme ça. Mais pour qui ça comme ça, 60 millions ou bien 75, bah qu'on est, qu'est-ce que vous dépensez pour faire Kemia Vinla, pour qui ça tout, vous pas de prendre pour vous capable acheter matériel que la police a besoin pour faire face carré à Negio. Est-ce que n'a pas été chita comme ça, n'a pas gardé États-Unis qui a détruit Haïti ou bien n'a pas levé camper pour nous dire non, pas quitter un pays souverain? Comme je toujours dit, continuez dans tel état. Parce que je dis à la, Américains, Français, Canada, il a fait tout ça dépendant pour finir avec Haïti. Et c'est nous-mêmes encore, il a forcé pour nous finir avec pays, pour nous craser pays. Parce que nous n'avons pas de petites têtes vides, nous n'avons pas de petits souffris, nous n'avons pas de petits sous-sous, nous n'avons. Depuis nous blanc, blanc, te met ton petit blanc là, pas vous en États-Unis, depuis nous va Haïti, tout n'est pas pour gros affaires. Est-ce que nous sommes capables de continuer comme ça en 2024? Eh bien, colonel Imle Rebu parlait, et M. Baye détaille, parle de comment divers agents Kenya manquent quitter pour dans Grecier. Dans Grecier, oui. Et c'est la police encore qui sauve pour Negio. Comme ça, oui. Bon, tenez tout ministre des Affaires étrangères, mesdames et messieurs, Dominique Dupuy, avec lui-même là, Baye Abinader, yon calotte marassa à tout ministre affaires étrangères Dominique, mesdames et messieurs, et ministre là et Mounsa ou soufflet marassa là qui quelque temps nous connaît yo te bloqué question passage aérien et Haïtien pas rentrer ce domaine et yo bloqué. Et bien jodi là yo invité mesdames et messieurs et l'état haïtien pour participer dans et donc investiture Abinader qui pral installer comme président. Et bien ministre Dupuy dit pas rien bagay comme ça, si pour comme si c'est seulement sous plan diplomatique yo capable pour entrer et Abinader, eh ben yo pas râler, faut que li capable valable pour tout haïtien. Nous bat bravo Kebe la femme jam, nous allons inviter au plus de détails dans la vidéo ça. Bonne écoute n'a tout. Le ministre a dit ça dernièrement, le t'a parlé avec Caraïbes. Ou tendez probablement qui sa réaction à la policière, donc qui est lecture, colonel Rebu, par rapport à tout ça. Je vis un très grand désarroi parce que moi j'étais bien tendu premier ministre qui dit ça dernièrement, le cap parle avec Caraïbes, affaire sécurité en pays, qui n'est pas capable de faire la police nationale d'Haïti. Demandez d'abord un concept doctrinal. Ça veut dire que les gens qui dirigent le pays, qui positionnent, qui pensent sur la question de sécurité. Parce que c'est eux-mêmes qui dirigent le pays, c'est eux qui orientent. Si vous n'avez pas un concept doctrinal par rapport à un problème, l'entité, la police, l'armée, ce sont des entités d'exécution. Les gens qui dirigent le pays ont une approche doctrinale. C'est ça que je dis. Il y a un groupe bandit qui vit l'âge de Dieu, par exemple. Est-ce que dans notre gouvernement, force qui doit entrer au craser village de Dieu? C'est une option doctrinale. Parce que force qui agit n'est pas responsable. C'est le monde qui dirige le pays qui est responsable sur le plan politique. Parce que ça, force après le faire, c'est une décision que le monde politique prend. Ou bien une décision que le monde politique ne pas prendre. C'est là que le monde politique fin définit la doctrine. Il y a une série de stratèges qui déterminent qui méthodologie on peut utiliser pour aborder le problème pour résoudre. et vers ça, on a une force d'action, que ce soit la police nationale, que ce soit l'armée d'Haïti, que ce soit tout Kenyan qui là, ils viennent monter une opération en fonction de données que chef yo décidé. Maintenant, pour troupe yo prendre décision, ce n'est pas volontaire seulement pour yo gagner, il faut qu'ils gagnent les moyens. Par exemple, nous avons un demi-scandale qui passait justement dans l'affaire Gantier. Côté troupe, ils sont arrivés. Et puis, ils ont fait une journée d'opération. Ils ont dormi, ils n'ont pas de matelas, ils n'ont pas de manger. Or, on n'a pas jamais engagé un troupe dans l'opération sur le terrain sans que paragraphe 4 là, qui est partie intégrante de tout processus opération, on va répondre. Il faut répondre qui bon est abdomi, qui j'en est abdomi, qui boit à boire de l'eau, qui dispositif cap gain pour manger. Sinon, ou pas une opération, on va faire jouer. Maintenant, bagay ka privé là, yo. Et témoigner, premièrement, nous connaissons que moun cap dirigé, yo. Et la map cité directement. Et Edgard Leblanc Fils, qui préside un pays à Rodia. M'a cité le docteur Garry Conille, qui est Premier ministre. Nous connaissons même si on a gagné bonne volonté pour avoir des questions. Nous parlons autour de l'eau, aucun monde nous connaît qui t'a pensé sur le plan stratégique et sur le plan tactique à problème qui est là. Donc c'est évident que nous n'avons pas de solution du tout. Maintenant, malheureusement, ils comprennent que l'affaire sécurité est capable de régler dans la propagande. Et les gens qui font propagande, qui sont intelligents sur ce sujet de guerre-là, c'est malheureusement bandit. C'est eux-mêmes qui tendent de Kenya qui viennent. C'est eux-mêmes qui mettent une stratégie en place pour tester, pour voir si ce qui s'attaque Kenya au camp est vraiment. Ils ont fait une balade de provocation sous gouvernement. Ils posent une première action à la Croix des Bouquets. Ils posent une deuxième action dans l'autre pointe territoriale vers le sud. Ils posent une action dans Pétionville. Ils descendent Gantier. Et parce que ils font avec une stratégie pour forcer courir derrière eux. Excusez. Cela veut dire qu'ils sont obligés de déployer dans plusieurs directions en même temps. C'est pour tester effectif, c'est pour tester capacité de répondre, c'est pour tester qualité matérielle et équipement. Et leur suivre séquentiel que vous utilisez, vous entrez dans un séquentiel rationnel. Vous n'avez pas agi seulement. Mais ils parlent tout. Ils fait ça la communication de guerre. Si vous attendez type communication, monsieur qui a pris les bandits, vous avez plus comprendre que c'est les gens qui sont dans le gouvernement qui ne veulent pas la paix, qui ne veulent pas résoudre le problème. Ils fait eux-mêmes tout ça classiquement, le gouvernement c'est doué fait. Sauf que j'ai l'impression que le gouvernement qui comprend qu'il n'y a bluffé dans le bagage qui est là. Le bagage qui est là, il n'y a pas de bluff là. Il y a un savoir, deux capacités. Monsieur, midi 31, yes. Haïti politique. Comment analyser la décision du gouvernement haïtien de bouder l'invitation de la République dominicaine pour l'investiture du président Luis Abinader? Il y a plein de monde qui croit que Haïti fait coup. Est-ce que son groupe Haïti fait Esaïe César, député Bernard et Gary glati? Moi-même, pense que son coup politique et diplomatique. Dans la mesure où le gouvernement, par le biais de Madame Dupuy, Madame Dominique Dupuy, femme au cap, on est mono cap, c'est mon gars couille, et mon gars en pile là de parler à moun. Mon non, en pile fois de parler à moun. Et en pile là-dedans, c'est mon de caractère. Ça, en pile, ça, je m'habitue à côtoyer. Dans la promotion, je dois croiser avec des gens dans le nord, c'est des gens qui ont couilles, qui ont caractère. Et mon cher, par le biais du gouvernement, et madame Nante a eu une conversation avec le ministre des Affaires étrangères et pays République dominicaine. Et c'est le ministre des Affaires étrangères qui rend public à travers un communiqué tout ça que tu dis dans le communiqué. Non, 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 conversation de madame Nante. Il va être comme ça. Côté, même avec CPTO, yo, alors madame Nante et d'entrée de jeu, pas d'accord pour envoyer avion venir chercher monsieur, pour venir chercher monsieur gouvernement, représentant Haïti, pour aller participer dans l'investiture. Pendant que il y a une interdiction de vol. Interdiction de vol pour tout Haïtien. Tout Haïtien, correct. Donc, je pense que son bel coup, parce que là, si nous avons levé, en dans le gouvernement, en dans le CPTA, il était allé dans la délégation pour participer dans le dossier, ça, il était pas être l'aide. Et, regardez pour bien, le ministre des Affaires étrangères, le plus envie de parler sous, tant pis s'il vous plaît, la supplier Haïtien pour montrer pas grand drôle entre deux pays, la supplier madame, nan, pour que vous voyez délégation aller. Là, on va parler du ministre dominicain des Affaires étrangères. Ministre dominicain. Qui a supprimé madame, non? Qui pensait que madame, non, son monde qui était pas le coubé. Roberto Alvarez. Qui était pas le coubé pour dire, mais pas un problème, non? Et n'a pas vu une délégation. Non. Là, ça le passé. Non, alors ça a une interprétation, pas moi. Ah, interprétation, m'a fait. Ah. Parce que pour ce genre, m'a lui communiquer, hein? Ce genre, m'a lui communiquer, hein? Parce que là, il y a offert possibilité sous plan diplomatique et que l'espace aérien y a permis à ce que l'État haïtien voie en délégation. Autorisation immédiate. Alors, autorisation vol. Et diplomatique. Vol diplomatique. Yeah. Donc, ça veut dire que madame Nali dit non, c'est tout haïtien qui a droit à ça. C'est pas. Il pas d'adouer en négociation. Négociation. Ah, c'est pas en favoritisme. C'est pas une faveur. C'est pas en faveur. C'est pas en faveur. Mon cher, moi, m'apprécier, moi-même personnellement, t'as coup et DGD dit, c'est le job qu'il a fait. Et vraiment, il répond à job là. Et ça fait plaisir. Je pense que, en pile haïtien, campé derrière madame, non. Madame Dupuy, je ne veux dire là, en pile haïtien, campé derrière madame, non. Eh bien, ça qui est bon, l'on fait ça qui est bon. L'on fait ça qui est bon. Eh bien. C'est travail, lui, vraiment, oui. C'est travail, lui. Mais il y a un bon monde qui a un job qui n'a pas fait travail. Ouais. Non, mais Esaïe, et il y a une raison qui fait. En pile, c'est moi, madame Dupuy, un gros coup de cloche. Vladimir Galet Abzou, ouvert tout le matin que le Raymond. Raymond, en tant que chef, en tant qu'autorité, vous montrez que vous avez un testicule dans le postérieur. Vous montrez que vous avez un charisme là, caillou. Correct. Et, monsieur, c'est un bagage qui est grave, oui. Lorsque un pays qui dit qu'il a une certaine autonomie, pour joindre au monde qui campe, qui est pour se bravo. Au contraire, c'est l'inverse qui t'a dû faire, qui t'a dû apétonner le monde, je veux dire. L'aime dit inverse, c'est-à-dire, c'est leur ministre, leur autorité t'a fait, t'a battu bas, le monde t'a dû saisir. C'est-à-dire, tout le monde est supposé camper, regarder tout le monde comme ça. Moi-même, et tant que je te réponds ce matin off mic, c'est parce que justement, nous tellement pas joué le modèle moun sa yo dans l'État haïtien, qui est caractère tellement rare que l'enjeu non grain, c'est comme si c'est un exploit si me dit ça. Oh, il pas t'a supposé ça, c'est l'inverse que t'a supposé tourner nous. Correct. Et nous te même par exemple Ariel Henry comme premier ministre, monsieur qui a baillé un ambassadeur là mais qui a baissé tête devant ambassadeur, oui monsieur. Ambassadeur. Non, regarde, c'est peut-être qu'il est plié. Ah, mon cher, il est plié. Bagay la grave, bagay la grave. En tout cas, moi-même. C'est peut-être qu'il est plié. Il est plié devant l'ambassadeur. Moi-même, ça me comprend dans bagay ça, c'est une réponse avec ça que me qualifie de affront de la République dominicaine par rapport avec Haïti. Écoutez. Pays libre et indépendant. Justement. Et capable toujours des problèmes diplomatiques entre deux pays. Laisse ça déclarer ouvertement. Correct. Et laisse ça tout rappeler personnel ou gain, personnel diplomatique ou gain dans le pays. On rappeler lui. Mais écoutez, ou pas faire, ça montre que pas gain rien. Est-ce que c'est hypocrisie? Est-ce que c'est gros collègue, pas gros collègue, non? Est-ce que c'est gros cœur, c'est gros nom Abinader qui fait le fait? Pour l'interrogation, pas oublier. Toute décision, ça va venir après bagay canal là. Oui. Ça veut dire, nous partageons un espace, nous partageons un territoire, quitte c'est aérien, quitte c'est terrestre. Et puis, pour droit d'exploitation, pour nous tous les deux, pas qu'à jouer de manière équitable. Américain, les deux. Et monsieur américain. Moi, j'aime pas besoin qu'on soit américain, pas besoin qu'on nationalité. Il a dégagé avec son complot américano-dominicain. Pas non, complot a déjà ouais, le soit assassinat Jovenel Moïse, frère. Pas oublier mon assassinat Jovenel planifié aux États-Unis. Mon gars qui fait crime, il passe par la République dominicaine, nous déjà compris. Et le voyage colombien. Pour me donner un bail et madame Dupuy, je pense que le gouvernement à l'unisson. Bon, comme c'est